Bonjour Marthe Fabéa-Noyer, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Clermont-Ferrand et qui est assise au laboratoire Emma, où nous sommes Paul Linaire et moi-même. Et elle va nous présenter les potentialités d'un simulateur de situation d'enseignement avec deux petits profs. Marc, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, au nom de l'équipe TEPROF, je tiens à remercier les organisateurs du webinaire, Muriel Epstein, Stéphanie Netto, Paul Lehner, Jean-François Norman, d'avoir sollicité la présentation de ce simulateur de situation d'enseignement pour envisager ensemble les potentialités offertes par la simulation en contexte de formation des enseignants. Alors, les autres collègues de l'équipe de conception pour Emma, Marie-Laure Elalouf, Solange Bornaz, Dominique Sonneron, Catherine Baudon, Edith Huy, mais ce travail que je vais vous présenter est largement issu de nos travaux collaboratifs. Alors, je place en exergue du propos, et là, ça ne marche pas à la diapo suivante, pourquoi on se demande. Il est bloqué. Voilà, il est là. Voilà. Une citation de Bernard Lahir dans « Enfance de classe » paru en 2019. Société, mais pas dans le même monde. Et en fait, il me semble qu'il en est de même pour les étudiants, les stagiaires et les étudiants que nous formons. Alors, dans un contexte où la formation initiale et continue des enseignants est souvent décriée, la démarche qui est celle de tes profs, comme d'autres recherches qui mobilisent les outils numériques, est d'envisager une formation universitaire qui prenne en compte l'hétérogénéité des publics et qui ambitionne d'engager chaque étudiant dans un travail articulationnel et activité collaborative et d'étudier la manière dont le numérique peut instrumenter différents moments didactiques en associant différentes pédagogies dans le cadre d'un même enseignement. Donc, il s'agit de voir, de chercher à voir en quoi l'université peut former des enseignants en travaillant la double relation entre production de savoir didactique et construction de professionnels dans l'action, dans un contexte où le parcours de formation qui est proposé aux enseignants juxtapose souvent les injonctions paradoxales et fait maigre part aux expériences sur le terrain. Finalement, on parle souvent d'inégalité à l'école, mais qu'en est-il en formation universitaire? Et comment faire pour accompagner les enseignants en prenant en compte leur curriculum? Alors, la problématique que je vous soumets est la suivante. En quoi un Serious Game, simulateur numérique de situation d'enseignement, peut-il contribuer au développement professionnel des enseignants sans prétendre se substituer à la formation et sans prétendre standardiser les gestes professionnels? Alors, après une brève présentation du jeu TEPROF, je vous proposerai donc de réfléchir aux potentialités de la simulation et de la co-formation dans un dispositif de formation hybride, en posant dès le départ le postulat sur lequel s'appuie l'équipe de conception,
à savoir la nécessité de prendre en compte la diversité des apprenants, qu'ils soient élèves ou enseignants. Donc, le fil d'Ariane que je vous propose de suivre est le suivant. Voir en quoi le jeu, la simulation, la co-formation peuvent contribuer à un développement professionnel fondé sur la prise en compte de la diversité des apprenants, qu'ils soient élèves ou enseignants, je l'ai dit. Et autrement dit, voir en quoi ce Serious Game peut permettre aux formateurs d'accompagner les enseignants dans leur apprentissage et dans l'exercice du métier, en prenant en compte la complexité du métier et la posture éthique enseignante qui nécessite de se centrer sur les élèves, avec qui ils travaillent, de qui ils apprennent et auxquels ils enseignent. Alors, je pose d'emblée un cadre d'analyse qui est déterminant et sur lequel nous reviendrons à plusieurs reprises, car il est véritablement au fondement du dispositif de formation, au cœur duquel se situe le jeu. Vous verrez que tes profs, dans la façon dont je vais vous le présenter aujourd'hui, il ne peut pas être pris isolément, il est forcément pris dans un dispositif de formation qui s'inscrit en amont et en aval. Donc, le cadre que je pose d'emblée, c'est que les situations de classe sont perçues comme une interaction entre trois niveaux qui sont interdépendants. Le niveau 1, mais interdépendant et égaux, hein, c'est-à-dire sans niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais ça ne voudrait pas dire que le niveau 1 est plus important. Le niveau 1, c'est celui des valeurs et de l'éthique professionnelle. Le niveau 2, c'est celui de l'ingénierie pédagogique. La préparation de la classe, la planification, ingénierie pédagogique et didactique. Et le niveau 3, c'est celui des micro-gestes professionnels, des interactions, des attitudes du maître dans la classe, avec le langage corporel et toutes les attitudes du maître de façon générale. Du maître et des élèves. Donc, ces trois niveaux, ils sont sans cesse pensés en interdépendance, à la fois dans la façon de percevoir la classe et dans la façon de penser la formation. Alors, on va voir comment. Donc, vous voyez que là, déjà, je pose un bon nombre d'éléments qui relèvent de conception de la formation et du métier d'enseignement sur lesquels, métier d'enseignant, sur lesquels nous reviendrons. Donc, je vais commencer par présenter le jeu et l'historique de sa conception. Pour ça, je vais quitter pour un moment le PowerPoint, si j'arrive, et je vais mettre le site des profs. Excusez-moi, je ne sais pas faire deux choses en même temps, donc je me tais pendant que je change l'écran. Donc, j'arrête là. Et je me mets là. Et là, vous voyez la page d'accueil de tes profs si tout va bien. C'est bon, c'est chargé, vous le voyez? Bien. Donc, alors là, moi, je suis déjà connectée. Donc, vous êtes déjà sur mon application. Mais en gros, ça ressemble à ça. Vous avez une page d'accueil. Et puis ensuite, une fois que vous avez créé un compte, vous vous êtes inscrit. Ça, il faudra avoir ça avec les ingénieurs pédagogiques, parce que la modalité d'inscription change selon que votre université est en partenariat ou pas avec tes profs, avec tes LIPS. Une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez là et vous allez ensuite accéder au module tes profs. Hop, vous allez sur votre compte, vous avez les différents comptes formateurs qui sont ouverts. Moi, je vais descendre au mien. Il est là. Et vous avez une page de présentation, puis les contenus des modules qui se déroulent devant vous avec, vous le voyez, des tutoriels, des introductions, des aides à la prise en main. Et puis ensuite, différents chapitres avec le cycle 1, le cycle
une partie je m'informe qui répond à diverses questions typiques que les enseignants débutants peuvent se poser. Si je prends au hasard le cycle 1, une situation de lecture en petite section, je clique, vous voyez qu'en face, j'ai le temps qui me dit à peu près le temps que va durer la situation de jeu. Et à ce moment-là, j'arrive sur la page d'accueil de la situation. Et il me suffit de cliquer pour accéder à la présentation des caractéristiques de la classe, du contexte. Je prendrai des exemples plus précis tout à l'heure. Là, c'est juste pour vous montrer un peu l'interface, hein, et des objectifs que j'ai à atteindre. Ensuite, il y a une salle de classe qui est symbolisée. Et puis, je peux accéder soit à la présentation des élèves avec simplement les noms des élèves qui s'affichent, soit passer la présentation des élèves, ce que je vais faire là pour vous montrer. Et ensuite, s'affichent devant moi ces deux bandes vertes que vous voyez sur lesquelles je vais pouvoir cliquer pour choisir ce que je choisis de dire à mes élèves pour commencer la séance en tant qu'enseignant. Et à partir de ce moment-là, va s'engager une série d'échanges entre le maître qui peut choisir telle ou telle façon de s'exprimer et les élèves qui réagissent. Et le jeu finit par un bilan, on va y revenir. Alors voilà, c'était vraiment simplement pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que les choix qui ont été faits peuvent être très différents de ce qu'on peut imaginer, de ce que peut être une situation de simulation de classe. Maintenant, je vais revenir au PowerPoint pour rentrer dans une présentation plus précise. Donc, je me tais parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Je mets mon PowerPoint et je recommence. Et mon PowerPoint, il est là. Et je le mets ici. Donc, vous verrez dans le PowerPoint, vous aurez l'adresse. Hein. Je continue. Donc, comme je l'ai dit brièvement, finalement, quels que soient les scénarios, que vous ayez choisi de faire une situation de cycle 1, de cycle 2, de cycle 3, finalement, chaque scénario est composé de la même façon. Il y a une phase de présentation, une phase de situation, donc avec une alternance de propos des élèves, choix multiples pour les propos du maître, et une phase de bilan. À la fin du jeu, l'enseignant, le joueur, reçoit un bilan que reçoit aussi le formateur, ce qui lui permet ensuite de préparer le débriefing, mais on y reviendra. Alors, je vais prendre un premier exemple pour vous montrer un peu plus précisément comment ça fonctionne. Et puis ensuite, je vous parlerai donc des fondements théoriques et pour les illustrer, je reprendrai encore un deuxième exemple. Alors, j'ai choisi ici de vous montrer un premier exemple autour de la question de la dictée réflexive, qui est un dispositif qu'on utilise beaucoup en didactique au cycle 2 et au cycle 3. Si je choisis cette situation de la dictée réflexive en CE2, donc avec un toujours le cas pour le moment, ça signifie que les autres sont en atelier autonome. Quand je clique sur cette situation, j'ai d'abord une présentation qui précise les caractéristiques de la classe, qui me donne des informations de contexte. Donc ici, les élèves se sont mis d'accord ensemble sur une phrase à écrire, ils l'ont écrite individuellement. Puis vous l'avez écrite au tableau avec les différentes graphies qu'ont écrites les élèves, sans commentaire, et vous allez leur demander de les commenter. La séance va se dérouler en deux parties. Vous aurez un moment où vous allez leur montrer les graphies, les faire échanger, et puis voilà. Donc, on présente ensuite les objectifs. Voici vos objectifs pour cet atelier, dans cette situation. Vous souhaitez mettre en accord tous les élèves sur l'orthographe normée et, ce faisant, faire émerger les raisonnements
et les savants orthographiques en construction, à vous de les aider à mieux comprendre l'orthographe de cette phrase. Donc, vous voyez ici tout de suite que les choix qui ont été faits sont des choix qui, à la fois, questionnent la façon dont l'enseignant va choisir de mener les interactions, de conduire les interactions, de s'engager dans les interactions avec les élèves, mais aussi des choix qui vont le conduire à mobiliser des savoirs didactiques qui auront dû être nécessairement travaillés en amont en formation. Hein, donc, vous voyez bien comment on articule les trois niveaux dont je parlais tout à l'heure. À la fois la posture éthique, à la fois l'ingénierie didactique et pédagogique, qui est ici prise en charge en partie par le jeu lui-même, et puis les gestes, les attitudes. Donc ça, c'est la première phase de présentation. Ensuite, on a une phase de présentation des élèves, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le maître affiche les graphies et se retrouve face à la réaction des élèves. Krilida qui nous dit « il y a plein de fautes ». Et ensuite, comme je vous le disais, le maître se trouve, le joueur se trouve face à ici quatre possibilités et il va pouvoir cliquer pour savoir ce qu'il choisit de dire. Et à la fin, le joueur va se retrouver avec un bilan individuel qui va pointer les points d'appui et les points à améliorer. Ce bilan, tel qu'il est conçu par l'équipe, il est nécessairement accompagné, peut-être dans une séance ultérieure, si la situation de jeu se fait de façon asynchrone, dans un cas de formation hybride, mais c'est nécessairement accompagné d'un bilan collectif qui va retisser les tensions qu'il y a entre les trois niveaux dont on a parlé et qui va permettre de questionner les joueurs sur ces problématiques récurrentes, sur ces questions professionnelles récurrentes qu'ils ont pu rencontrer en jouant et tisser avec les savoirs didactiques qu'ils ont pu mobiliser, acquérir en amont au cours de la formation. Alors, avant de développer un deuxième exemple pour vous montrer ce qui se joue dans les choix et comment on fait pour construire, accompagner les enseignants dans ce développement professionnel, je vais juste préciser un peu l'historique du projet et le cadre du projet. Alors, comment un laboratoire de recherche comme EMA et les autres laboratoires impliqués en viennent à s'investir dans un tel projet. Le laboratoire a reçu une sollicitation de Jordan Paquet, qui est un ingénieur pédagogique, qui a une licence de STAPS, un master 2 d'ingénierie pédagogique et multimédia, qui a 10 ans d'expérience dans une agence d'édition de jeux vidéo, qui est donc très impliqué dans la conception de Serious Game. Et par ailleurs, il enseigne à l'Université de Lorraine les particularités des Serious Game. En 2018, il a contribué à fonder l'entreprise Telips, qui est une start-up dédiée à l'édition de solutions digitales dans le secteur de l'éducation et de la formation, et qui s'est donné pour objet de créer un jeu T-Prof. Cette création, elle s'est faite dans un contexte d'émergence de différentes plateformes gratuites ou payantes dédiées à la formation des enseignants par la mobilisation d'outils numériques et de formation hybride. Ici, la démarche est très encadrée. Il y a eu un accord de confidentialité entre la start-up et les trois laboratoires impliqués, que je vous présenterai après. Et il s'agit d'une collaboration de recherche. C'est-à-dire que l'université reçoit une subvention pour collaborer et conserve la propriété intellectuelle. Donc, T-Prof est issu d'une convention entre une entreprise et plusieurs laboratoires de recherche. L'université CY Sergi Paris Université pour le laboratoire
Emma, INSPE de l'Académie Versailles, donc Marie-Laure Lalouf, Solange Bornaz, Catherine Boredon, Dominique Sonneron, Edith Tadei, Marfrada Noyer. Paris 8 Université pour le laboratoire CH Art avec Franck Jamet. Paris 6 Université pour le laboratoire LIPSIS avec Vincent Corruble et Amal Elfalas et Grouchny. La start-up TELIS, dont j'ai parlé, avec Jordan Paquet et Antoine Grunenberger. Et le soutien financier et institutionnel de l'Académie de Versailles, Technopôle Val d'Oise, BPI France, Initiative 95, EdTech France, la Banque Populaire, Rive de Paris. La répartition des tâches est la suivante. Il y a d'une part une équipe de formateurs qui conçoit des scénarios à partir de situations rencontrées dans des classes réelles, et d'autre part, l'équipe des profs qui transforme ensuite ces scénarios en jeux. Alors, ce projet, il n'existe pas de façon indépendante au sein du laboratoire EMA. Il s'inscrit dans l'axe formation et professionnalisation du laboratoire, si bien que ce dispositif s'inscrit pour nous en complémentarité d'un autre outil développé au sein du laboratoire, qui est le dispositif GPS, qui a déjà donné lieu à un webinaire que vous pouvez retrouver sur le site. Ce dispositif, il s'inscrit également en complémentarité d'autres outils développés dans d'autres équipes d'autres universités, comme Neopass Action, développé par l'IFE Centralien Saint-Vary ENS Lyon, Banque de séquences didactiques, développée par le CRDP Montpellier, etc. Par ce jeu, l'équipe cherche à utiliser la simulation pour favoriser, d'une part, la confrontation des choix de différents enseignants débutants. D'autre part, étudier le couplage entre les gestes langagiers de l'enseignant et leurs effets différenciés sur les élèves. Et enfin, identifier des moments où une séance peut basculer. On va y revenir. Je vais maintenant entrer un petit peu plus dans le détail de la présentation des principes du jeu. Donc, TEPROF, c'est une application. C'est un simulateur de classe qui propose des scénarios pédagogiques. Le but du jeu est de faire une situation d'apprentissage de façon à ce que tous les élèves progressent. Et il s'agit de ne pas perdre la classe et de faire avancer tous les élèves. L'application actuelle propose un groupe de 5 élèves. Le groupe est toujours hétérogène, tant du point de vue des apprentissages que du point de vue des comportements. Alors, vous l'avez vu, l'application ne cherche pas à imiter une situation de classe en tout point. Bon, la première fois que je me suis connectée sur TEPROF, j'ai cru que mon ordinateur ne marchait pas et que je n'avais pas le son et que l'image était figée. Donc, la situation proposée, elle est lente, silencieuse, le nombre d'élèves est réduit, le joueur n'a pas à gérer l'espace et le temps. Évidemment, ces choix sont délibérés et je vais essayer de vous expliquer les fondements de ces choix. C'est ce qu'on appelle en fait un simulateur à échelle partielle. J'y reviendrai. Ça consiste à réduire les variables afin d'alléger la charge cognitive et de permettre aux joueurs de construire des chemins cognitifs, des manières de faire, de percevoir la situation de classe en ayant le temps de réfléchir à ce qu'il va dire. Donc, tout en s'appuyant sur des situations réelles, le jeu propose de faire un pas de côté. On s'éloigne volontairement de la situation de la classe pour mieux y revenir. On le distingue, ce simulateur à échelle partielle, on distingue des simulateurs à pleine échelle qui se conçoivent comme des substituts à la réalité, pour reprendre l'expression de Pastré et Vergnoux, on y reviendra. Je vous l'ai dit, l'enseignant, à chaque fois, il a le choix entre plusieurs
réponses possibles entre plusieurs façons d'interagir. Mais les différents cheminements qui débouchent de ces choix, ils n'évoluent pas en parallèle. Ils se recoupent. Parce qu'il ne s'agirait pas de dire qu'à partir du moment où on a fait un choix, à un moment du début de séance, ça nous engage dans une direction donnée qui va tout conditionner. Pour vous montrer comment se croisent ces chemins, ces cheminements possibles dans le jeu, que l'enseignant va pouvoir faire et refaire pour essayer de s'entraîner, je vais prendre un deuxième exemple un peu plus précis. Bon, là, c'est ce que je viens de dire. J'avais oublié de passer la diapo. Donc, le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est une séance de lecture en CE2. Alors, hop. Donc, on commence toujours par les caractéristiques de la classe. CE2, 5 élèves, les autres... Contexte, vous vous apprêtez à lire enfin l'histoire. La séance se déroule en deux parties. Première phase, vous annoncez la lecture du chaboté. Deuxième phase, donc on présente les objectifs. Il s'agit de faire parler les enfants pour comprendre ce qu'ils ont compris du texte. Et l'objectif qui est assigné, c'est donc d'aider les enfants à mieux comprendre. Et à mieux dire ce qu'ils ont pu comprendre. Pour commencer la séance, la situation propose à l'enseignant deux consignes. Dans le premier choix, l'enseignant est invité à dire « Aujourd'hui, on va voir un nouveau texte. C'est l'histoire du chaboté. » À ce moment-là, l'enseignant exprime son but et donne le titre. Dans le deuxième choix, l'enseignant est invité à dire « On continue à lire des histoires de ruse. On va lire ensemble un conte, le chaboté. Aujourd'hui, on va lire ensemble le début de l'histoire. Beneja, tu as une question ?» Ici, l'enseignant effectue un tissage, hein, pour reprendre les termes de Bucheton et Soulé. Le tissage, c'est ce qui caractérise les liens que l'enseignant fait pour aider les élèves à situer l'apprentissage et l'objectif d'apprentissage en contexte. L'enseignant rappelle aux élèves que la classe est en train de travailler pour apprendre à lire, comprendre, interpréter des récits de ruse. Il annonce le titre et le fait que seul le début de l'histoire sera lu. Et voyant qu'un élève lève le doigt, il lui propose de prendre la parole. Alors, face à ce choix, où l'on voit bien la pratique qui serait la plus valorisée en formation, hein, la deuxième, on sent bien la différence entre les deux consignes. Alors, comment faire pour, face à ce choix que doit faire le joueur, comment faire pour ne pas construire l'idée qu'il y aurait une bonne de passer la consigne et que celle-ci serait suffisante pour assurer une séance réussie. Puisque c'est tout l'enjeu. Il s'agit en effet pas ici de dire qu'il y aurait une bonne façon de passer la consigne qui impliquerait ensuite nécessairement une bonne séance. Ce qui reviendrait à accorder le primat à l'ingénierie pédagogique, à considérer que si l'enseignant utilise les bons outils, prépare bien sa séance, alors cela sera suffisant. Il s'agit plutôt de sensibiliser les étudiants, les enseignants, à la façon dont les micro-gestes, les manières de mener les interactions engagent le groupe dans une situation plus ou moins favorable et les sensibiliser à la prise en compte de tous les élèves. Et donc, il s'agit de montrer à l'enseignant qu'il peut toujours redonner une orientation favorable aux échanges pourvu qu'il adopte une attitude conforme à l'éthique professionnelle. Alors, voyons comment
ça se traduit dans le jeu. Pour le montrer, nous avons représenté sous forme de carte mentale, sous forme d'embranchement, les différents chemins que peut suivre l'enseignant au fil du jeu, selon le choix initial qu'il a fait de la première consigne. Je vais vous montrer. Alors, si on reprend les deux consignes que j'ai posées tout à l'heure, vous avez ici à gauche le choix 1. Aujourd'hui, on va voir un nouveau texte, c'est l'histoire du chat botté. Hop. Pourquoi ? Où est passé mon curseur ? Là. Choix 2. On continue à lire des histoires de ruse, on va lire ensemble un conte, le chat botté. Aujourd'hui, on va lire ensemble le début de l'histoire. Beneja, tu as une question ? Si je reviens sur le choix 1, si l'enseignant choisit de dire « Aujourd'hui, on va voir un nouveau texte, c'est l'histoire du chat botté », alors, vous le voyez dans la juste après, la réaction des élèves qui va s'afficher va être la suivante. « On va voir le chat botté ?» Et puis, s'affiche des rires. À ce moment-là, l'enseignant, il a de nouveau un choix à faire. Et il peut choisir de dire « Ah ben, est-ce que j'ai parlé du chat botté ?» Ou dire « Vous connaissez le chat botté ?» C'est vrai, le chat botté et le chat botté, ça se ressemble. On en reparlera quand on aura fini de lire le chat botté. Maintenant, on va découvrir ensemble le début du conte. Si l'enseignant choisissait le premier choix, est-ce que j'ai parlé du chat botté ? Il peut continuer en disant, ben oui, vous avez dit qu'on allait, les élèves pardon, peuvent continuer en disant, ben oui, vous avez dit qu'on allait voir l'histoire du chat botté. Et de nouveau, l'enseignant va pouvoir choisir plusieurs choix. Si je passe maintenant au choix 2, vous allez voir que les choix que l'enseignant peut effectuer ici se retrouvent en partie s'il a choisi la deuxième consigne. Ici, donc, c'est le cas où il a soigné sa consigne, on va dire, pour aller vite. Et évidemment, on a quand même la même réaction des élèves parce que l'enseignant vient quand même de parler du chat botté et donc forcément, les enfants pensent quand même au chat botté. Donc, ils réagissent de la même manière en disant « On va lire le chat botté, mais c'est un film !» Et ils rient de la même manière. Et là, l'enseignant a la possibilité de réagir de deux manières qui, vous le voyez, se rejoignent beaucoup avec les deux manières possibles de réagir s'il avait fait le choix 1 de consigne. Non, le chat botté, ça n'a rien à voir. Allez, on poursuit. Ou, vous connaissez le chat botté, c'est vrai. Le chat botté, ça se ressemble, etc., etc. Donc, vous voyez que selon la façon dont l'enseignant choisit d'interagir avec les élèves vont réagir différemment, mais que il peut avoir fait des choix différents et pour autant se retrouver au fil du jeu à faire face au même choix que ce qu'aurait fait un collègue qui aurait fait un choix initial différent. Donc, même s'il est engagé dans une direction qui pouvait sembler périlleuse, l'enseignant peut redresser la barre. Ayant passé ce premier passage à risque, ayant senti que cela engageait la classe vers une situation tendue, l'enseignant va pouvoir analyser ce qui l'a mené dans cette situation. Parce qu'il va pouvoir refaire le jeu, parce qu'il va pouvoir discuter avec ses collègues, parce qu'il va pouvoir faire un bilan ensuite avec ses collègues et avec le formateur. Quand on sait qu'en situation réelle, les enseignants n'ont pas le temps d'analyser la situation parce qu'ils doivent continuer à faire classe et que exercer un métier tout en l'apprenant. Le manque de recul lié à la complexité de la situation peut conduire les enseignants à penser qu'ils ne peuvent que subir la situation quand ils commencent. Et dans le discours spontané de survie des enseignants débutants, les causes peuvent alors être externalisées. Et se situent du côté, peuvent se situer du côté d'une formation qui serait trop éloignée des réalités du terrain.
du côté de tel ou tel élève qui n'aurait pas le comportement approprié, de parents défaillants, du manque de temps. Ces causes externes qui sont mobilisées spontanément dans l'analyse par les étudiants et les enseignants, elles ne sont pas négligeables et elles ont leur légitimité. Mais l'objectif de la formation ici, c'est d'accompagner l'enseignant à avoir prise sur ce qu'il peut lui-même faire pour gérer les trois niveaux à la fois, les valeurs et l'éthique professionnelle, l'ingénierie pédagogique et didactique et les micro-gestes, l'attitude du maître. Mais faut-il encore pour ça que le formateur puisse accompagner l'enseignant dans le jeu. C'est le rôle de la situation de formation dans laquelle doit se situer tes profs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu tel qu'il est pensé par l'équipe de conception, il ne peut pas être pensé sans être pris dans un dispositif de formation. Autant les joueurs peuvent jouer de chez eux de façon autonome, autant ce jeu, ces essais récurrents, ils doivent être pris dans un dispositif. Et c'est toujours comme ça qu'est pensée la simulation en situation de formation professionnelle, puisque ce jeu n'est pas le seul du tout, et Audran en 2016 notamment. Typiquement, les jeux, les serious games, les situations de simulation sont prises dans des dispositifs qui comprennent en amont ce qu'ils appellent un briefing, une préparation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, à la fois sur le contexte, mais aussi les apports didactiques qui vont être nécessaires à l'enseignant, mais aussi les gestes professionnels, le cadre éthique, et puis un débriefing qui va être à la fois centré sur les bilans individuels et sur le bilan collectif fondé sur les problèmes récurrents rencontrés. Donc, les formateurs pourront revenir à l'issue du jeu sur ce qu'ils savent être les passages à risque, et ils pourront adapter le débriefing en revenant sur les différents niveaux que sont valeurs éthiques professionnelles, ingénierie pédagogique et micro-gestes professionnels. Donc ici, on voit l'ingénierie pédagogique, elle est posée en partie par le jeu. Et l'objectif, je l'ai dit, c'est d'aider les étudiants à se décentrer de ce qu'ils ont à faire pour se centrer sur la manière de s'engager dans les interactions maître-élève et de faire médiateur dans les interactions élève-élève. Et puis, il s'agit d'apprendre et mettre à l'épreuve l'éthique professionnelle en la traduisant en micro-gestes, en éprouvant en situation que les micro-gestes ont une importance fondamentale dans l'orientation que prendra la séance et qu'ils traduisent une éthique qu'on ne peut pas lâcher. Revenons à l'embranchement rapidement pour que vous puissiez le comprendre. Vous voyez que dans son choix 1, l'enseignant, on l'a dit, il peut redresser la barre. S'il fait là. S'il dit vous connaissez le chapeauté, c'est vrai, le chapeauté et le chapeauté, ça se ressemble, etc. S'il se cale sur les conceptions des élèves, et si, dans l'énoncé suivant, il explicite ce qu'il va faire, vers quoi il cherche à emmener les élèves, alors les élèves vont pouvoir s'engager dans une situation d'apprentissage. On ne pouvait pas mettre l'embranchement, parce que vous imaginez bien que 10 minutes, ça prend un embranchement, ça ferait un embranchement beaucoup plus long. En revanche, si l'enseignant, qui a lancé sa consigne rapidement, qui fasse aux réactions des élèves qui rient, qui pensent à un dessin animé alors que lui voudrait qu'il pense à un conte, s'il se fige, s'il a peur de perdre le contrôle, s'il ne se place pas en étant en capacité de prendre en compte... Quoi ? Ça a été figé à l'instant. Ça a été figé, tu m'aimerais te prévenir. Merci Muriel, et vous m'avez entendu quand même ? Oui, mais si tu peux reprendre juste la phrase d'avant, je pense que ce sera donc, plus simple, en tout cas pour moi. Si l'enseignant fait le choix 1 et
continue à s'engager, vous le voyez ici avec mon curseur là-haut, sur le chemin là-haut, qui est celui qui ne peut pas se caler sur les réactions des élèves parce qu'il a peur de perdre le contrôle, parce que pour plein de raisons diverses. Alors, l'enseignant peut engager les élèves et la classe dans une situation délicate. On le voit ici. Ablin, est-ce que j'ai parlé du chapeauté ? L'enfant répondrait. Ben oui, vous avez dit qu'on allait voir l'histoire du chapeauté. Et là, Ablin ne commence pas. Là, ça commence à se tendre. Et ça, les étudiants, ils le sentent très, très bien. Ils pourront aussi faire le choix, la fois d'après, de dire « N'importe quoi, Ablin, commence déjà par apprendre à lire, ensuite tu pourras donner ton avis sur les textes. » On voit ici qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la menace ou quelque chose qui est de l'ordre de faire perdre la face à un élève devant l'ensemble du groupe. Et les équipes qui ont travaillé notamment avec Néopass Action ont très bien montré le danger que ça pouvait avoir. Mais il peut aussi réaliser là encore que, ah oui, le chapeauté, ça se ressemble, dire aux élèves et dire qu'on en reparlera ultérieurement. Vous voyez, il aurait pu redresser la barre dès la première interaction. Il peut ne pas faire ce choix, continuer à emmener la classe dans une situation périlleuse qui n'est pas garante de la posture professionnelle, ou encore redresser la barre. Le scénario, il est construit comme ça pour toujours laisser la possibilité à l'enseignant de chercher à redresser la barre. Et en même temps, le bilan pointera les endroits où il aurait pu, sans doute, faire des choix qui le conduisent à engager les élèves dans des situations d'apprentissage plus efficaces. Alors, finalement, enfin pas finalement du tout parce que j'en suis qu'à la moitié, mais pour continuer, en fait, il s'agit aux enseignants d'apprendre des gestes de métier qui peuvent être des gestes de métier qui sont connus des enseignants qui pratiquent l'enseignement depuis quelques années, qui sont connus de façon... qui sont des savoirs dans l'action, mais qui ne sont pas pensés. Là, il s'agit aussi de les conscientiser pour que les enseignants puissent prendre conscience de ce qui se joue. Ces gestes de métier qui sont analysés par Anne Jorot, ce sont des dimensions particulièrement importantes, selon nous, qui caractérisent le passage vers des gestes professionnels. Le premier, c'est la liberté d'agir. Le sens postural, qui est la capacité à se détacher de la programmation pour s'ajuster à la situation. Ensuite, il y a le sens du kairos, qui permet de saisir le bon moment pour intervenir, pour transformer l'imprévu en une situation favorable. Et là, vous voyez, ceux qui ont l'habitude de former des enseignants débutants, on voit bien que ces deux gestes de métier, ils posent particulièrement difficulté aux enseignants débutants. Elle distingue aussi le sens de l'altérité, qui est d'être ouvert au fait qu'on peut apprendre d'autrui dans la relation éducative. Donc ici, apprendre entre enfants, apprendre du maître, mais aussi la possibilité d'apprendre des enfants de la part du maître. Et puis enfin, l'adresse du geste, qui est la dimension émotive et symbolique d'un geste adressé à l'autre. Alors, chez Anne Jorot, l'analyse de ces gestes professionnels débouche vers une matrice de l'agir professionnel à travers quatre analyseurs que sont les gestes langagiers, les gestes de mise en scène du savoir, les gestes d'ajustement à la situation et les gestes éthiques. Je ne vais pas le développer parce que ce serait trop long, mais sachez que ça fait partie des fondements théoriques du jeu. Et nous les mettons en lien avec la prise en compte des préoccupations des enseignants que permet le modèle d'analyse développé par Dominique Bucheton et Yves Soulet en 2009
et qui distingue cinq préoccupations qu'ont les enseignants lorsqu'ils travaillent. Alors, beaucoup d'entre vous les connaissent peut-être, donc je vais aller rapidement, mais j'explicite quand même un peu pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Il s'agit de l'objet de savoir, du tissage, de l'atmosphère, de l'étayage et du pilotage. Ces préoccupations se jouent à l'échelle de la classe en fonction des logiques profondes de l'enseignant qui apporte avec lui son histoire, son rapport au métier, ses souvenirs scolaires. Au fur et à mesure qu'il apprend le métier, l'enseignant ajuste ses manières de réagir face à la situation en fonction des élèves qu'il a en face de lui et qui eux-mêmes interviennent et interagissent en fonction de ce qu'ils sont. Ce sont des interactions, ce sont ces situations générées par l'instant qui sont difficiles à gérer, je l'ai dit, parce que l'enseignant débutant peine à les anticiper, puisqu'il a, par définition, peu d'expérience de ces situations. La simulation peut permettre de multiplier ces expériences, peut permettre de s'entraîner à ajuster et réajuster en ne gérant qu'une partie des préoccupations, puisque dans tes profs, l'enseignant n'a pas à gérer ce qui relève du pilotage, hein, la gestion de l'espace et du temps, qui prend tant d'énergie aux enseignants débutants, et on le comprend bien. Alors, si l'on prend maintenant la grille d'analyse de Guagou, et vous voyez comment on tourne autour de la pratique enseignante en mobilisant des cadres qui sont différents, qui sont complémentaires, mais qui visent tous à mieux comprendre la pratique enseignante pour mieux accompagner les enseignants et favoriser les apprentissages pour tous. Donc, si on prend le modèle des cinq focales de Guagou, qu'il a actualisé tout récemment et qu'il m'a autorisé à utiliser aujourd'hui, donc je le remercie, on voit bien ici qu'avec la simulation, on n'est pas tellement du côté de la planification, mais plutôt du côté de la façon de réguler les interactions, la façon de différencier, motiver, expliciter en situation. Or, on sait, comme Guagou l'explique dans les diaporamas sonorisés de présentation de ces cinq focales qu'on peut retrouver sur le site de l'Université de Clermont-Auvergne, que le couple planification-régulation est d'autant plus efficace, d'autant plus pertinent pour les apprentissages des enfants, que les pratiques prennent en charge la différenciation, la motivation et l'explicitation. Donc, tout est question d'adaptation à l'apprenant et c'est le fondement du jeu. Il est en effet fondé en supposant que l'analyse de l'activité doit se centrer sur l'activité telle qu'elle est perçue par l'enseignant lui-même. C'est donc une démarche inactive qui est retenue ici. Celle-ci repose sur le concept d'inaction qui a été développé notamment par Varela en 89 et repris par Leblanc et Alti et Schmitt notamment. Ce concept permet d'attirer l'attention sur les interactions qu'entretient une personne avec son environnement et en particulier sur les différents points de vue qui peuvent être développés sur une même situation. Ainsi, écrit Leblanc, s'il existe un environnement objectif, un déjà-là, il ne fait pas nécessairement partie du monde de tel ou tel acteur ou de son expérience. Donc là, vous voyez qu'on retrouve les fondements théoriques qui sont aussi à l'origine de Néopas. La démarche, elle est également fondée sur les échanges entre pairs, les potentiels de la co-formation, les disputes professionnelles.
La clinique de l'activité, notamment autour des travaux d'Yves Clos, se propose non pas de soigner les salariés, mais le travail, en puisant dans la dimension sociale de l'activité, la dimension collective du travail, en puisant dans ces dimensions les ressources du changement. Pris entre des règles parfois inapplicables et des situations de travail complexes qui les contraignent à prendre des risques, les salariés, écrit Clos, les salariés s'ouvrent de choix impossibles. Quand le dialogue ne peut s'établir entre les acteurs de première ligne et leur hiérarchie, leur santé est mise en péril et la qualité de ce qu'ils font est remise en cause. Pour rompre ces cercles vicieux, il convient d'organiser minutieusement un débat associant tous les acteurs concernés autour des situations réelles de travail. Donc ici, on mobilise les ressources de la clinique de l'activité pour essayer d'appuyer, de s'appuyer sur les dissensus pour faire apparaître les consensus et faire émerger des manières de faire le travail qui permettent aux agents de s'y retrouver, aux agents, aux enseignants. Chloé écrit encore, ce qui est bon pour la santé, c'est d'abord de se reconnaître dans quelque chose, dans un geste, un langage, une technique, un problème à résoudre, une marque, une histoire. C'est là le socle de la reconnaissance. Et c'est celui qu'on espère donner à la formation par la simulation. Alors, maintenant, je vais en venir plus particulièrement de ce dispositif de formation et aux potentialités de la dimension ludique. Je remets juste mes feuilles parce que sinon, ça va être la cata tout à l'heure. Alors, Auger et Audran, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, rappellent que les psychologues ont montré que le jeu a une importance fondamentale dans le développement de l'enfant. Hein, le jeu symbolique chez Piaget, qui est lié au développement de la pensée, au développement affectif de l'enfant, avec les jeux de faire semblant, comme si on dirait que... Et Vallon nous dit que le jeu joue également un rôle dans le développement de l'imaginaire et du fictionnel, en permettant d'aller au-delà de la réalité. Le jeu a donc été analysé du point de vue du développement de l'enfant, et cet entraînement à la réalité et cette réalité augmentée générée par le jeu me semble extrêmement important dans notre exemple. Nous y reviendrons. Mais vous avez déjà vu qu'avec tes profs, il y a la possibilité de prendre son temps, d'échanger, de réfléchir, de refaire, de s'entraîner, de revisiter. Alors, si ces fonctions du jeu ont été analysées en psychologie de l'enfant, les psychologues et les ergonomes de la clinique de l'activité ont montré que le jeu joue aussi un rôle dans l'activité des adultes qui agissent en situation, tout en se projetant, en anticipant, donc en imaginant en amont et en aval l'activité qui se déroule dans le présent. Il s'agit bien ici d'une simulation intériorisée. Qui va se confronter au réel. Alors, on sait bien par les travaux de l'analyse de l'activité enseignante, auxquels j'ai fait référence avant, hein, être enseignant, c'est faire 36 choses à la fois. C'est gérer un multi-agenda fort complexe. C'est réguler, motiver, expliciter. La simulation implique une distance qui permet à l'enseignant d'expérimenter les possibles sans que cela se fasse au détriment de vrais élèves et de l'image de lui-même qu'il construit dans leur expérience. Alors, on trouve ici, avec ce pas de côté qui est fait, un écho à des démarches d'entraînement professionnel
qui se font en formation initiale depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je fais référence ici à un article de Bornaz et Sonneron dans le cadre du colloque scénario organisé par l'INSPE de Versailles en 2016. Un scénario qui conduit les formateurs à emmener leurs étudiants dans des classes qui ne sont pas les leurs pour aller s'entraîner en situation protégée et accompagnée, anticiper en amont, analyser en aval, s'entraîner dans des classes, à faire une séance pendant une heure environ. Il s'agit ici d'une pseudo-simulation, puisque les enseignants ne sont pas alors responsables de la classe et ne reverront pas les élèves, et puis qu'ils ont pu s'entraîner avant et analyser après. Ici, il nous semble qu'avec tes profs, il s'agit à la fois aussi de s'entraîner de manière protégée et accompagnée, mais aussi de pouvoir prendre en charge une partie du développement professionnel qui est liée aux questions identitaires, individuelles et collectives, comme l'ont analysé Ambroise, Pironon, Tocek et Bruno en 2019 notamment. Continuer. La simulation peut, selon nous, favoriser les échanges et la réflexion à la suite des travaux menés en didactique professionnelle qui mobilisent la simulation, parce que la simulation et l'analyse en amont et en aval permettent de discuter autour de la définition du savoir de référence, de la nature des connaissances à faire acquérir, de l'organisation de la situation, et permet de se centrer davantage sur les usages développés par les utilisateurs que sur ceux prévus par le concepteur. La simulation permet aussi de placer en vis-à-vis un processus intériorisé et un environnement qui favorise la transformation des pensées en action. Au sein d'un dispositif de formation, écrivent Auger et Audran, le processus de simulation prend la forme d'une médiation entre la pensée et l'action. Les images physiques dialoguent avec les images mentales et les représentations matérielles font de même avec les représentations cognitives. Donc, la simulation peut permettre d'élargir la perception du réel par l'analyse des différents cheminements possibles. Hein, vous vous rappelez l'embranchement qu'on a vu tout à l'heure. Cette situation, cette capacité qu'offre le jeu de prendre son temps et finalement d'élargir la perception de l'espace m'a fait penser à une citation de Bergson dans Matière et mémoire, qui est la suivante: la perception dispose de l'espace dans l'exacte proportion où l'action dispose de temps. Finalement, la perception qu'on a de la situation professionnelle par la simulation permet d'élargir la perception bien plus qu'on ne pourrait le faire quand on est plongé dans la situation elle-même, parce qu'on a le temps et parce qu'on peut y revenir. La simulation permet aussi de favoriser des apprentissages professionnels par le pouvoir de l'engagement fictionnel. Alors ça a déjà été beaucoup travaillé en didactique professionnelle et notamment par Durand et Orsic, qui ont travaillé autour de simulations dans la formation des infirmiers. Ils ont accompagné un groupe de formateurs d'infirmiers autour d'un jeu de simulation qui faisait que des étudiants infirmiers pouvaient d'abord s'entraîner sur des mannequins qui avaient des réactions programmées avant d'aller auprès des patients accompagnés de leurs tuteurs. Et pour étayer la réflexion qui a conduit à créer ce simulateur, ils se sont appuyés sur les travaux d'un littéraire, un chercheur en littérature, qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, et qui a travaillé à montrer que
L'engagement fictionnel, le pouvoir de la fiction, s'organise en trois processus. Celui de l'immersion mimétique, de la feintise ludique et de la typicalisation. L'immersion mimétique, c'est la phase où le joueur est tellement plongé dans le jeu qu'il oublie que c'est le jeu. Il est complètement immergé dedans. La feintise ludique, c'est un premier petit pas de côté quand le joueur sait qu'il est en train de jouer. Et donc, c'est pour de faux. La typicalisation, c'est quand le joueur commence à pouvoir faire des liens entre des situations similaires qu'il a déjà vécues et donc commence à pouvoir anticiper les manières typiques qu'il peut avoir d'agir dans cette situation ou que le tiers, le patient pour les infirmiers, l'élève pour les enseignants, peut avoir, enfin, la façon qu'ils vont pouvoir réagir eux-mêmes. Alors, quand ils ont travaillé, Durand et Orsic, avec ces infirmiers, ils ont pu aboutir à des résultats qui ont montré que la simulation permettait d'entretenir un rapport singulier à la formation qui se perçoit à la fois d'un point de vue normatif, en termes d'acquisition par les participants, de procédures et de compétences pour accomplir leur travail, et d'un autre côté, sur un plan fictionnel et natif, sur la façon de se projeter sur soi-même dans l'expérience, dans les expériences à venir. Dans l'expérience de la formation des infirmiers, les formateurs qui étaient impliqués ont considéré que ces deux pans étaient complémentaires et solidaires et servis par la simulation. Donc, on l'a vu plusieurs fois, la simulation, elle permet un décalage par rapport à la situation. Poisat et Durand, qui ont travaillé sur les enjeux et les modalités de la formation pour adultes, s'appuyant sur l'analyse de l'activité humaine, écrivent que cette activité n'est pas du travail et simultanément pas du travail. Et que cette situation, elle installe un décalage avec le travail cible tout en étant proche. Vous voyez qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure, que on fait un pas de côté. Avec tes profs, on ne cherche pas à copier la situation en classe. Mais pour autant, on se retrouve face à des situations typiques de classe. Alors, avec eux, nous faisons l'hypothèse que ce décalage, il est propice aux apprentissages. Et ils écrivent que les observations qu'ils ont pu faire conduisent à la conception d'intervention des formateurs rompant avec celle identifiant chez les formés leurs expériences en formation et au travail. Ça conduit à une relativisation de la course à la fidélité dans la conception des simulateurs et que ça conduit à une généralisation de l'idée d'une distance optimale pardon, par rapport au travail et d'un engagement de type ludique ou mimétique dans des situations de formation. Alors, après la présentation de ce cadre théorique qui préside au fondement de tes profs, je vais vous présenter brièvement de premiers usages qui ont pu être développés en formation par des formateurs ayant participé à la conception du jeu et concevant donc le jeu comme intégré à un dispositif de formation avec les trois étapes dont je vous parlais tout à l'heure, le briefing, la préparation, le moment de jeu et le débriefing, le bilan. Alors, les trois usages dont je vais vous parler ont été menés avec des groupes de M1 et des groupes de M2 du Master MEF premier degré. À différents moments de l'année, on va le voir.
est en présentiel ou en hybride. En présentiel, avec plusieurs groupes de M1, avant chaque départ en stage d'observation, vous savez que dans le dispositif actuel de formation, les étudiants sont conduits à aller mener des stages d'observation et de pratiques accompagnées. La collègue qui a mené les collègues qui ont travaillé selon ces modalités ont d'abord organisé la séance par une phase de découverte individuelle. Avec les. Non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté. J'ai sauté sur les professeurs des stagiaires d'après. Je remonte mes yeux à tout en haut. Donc, une première séance a permis de présenter les gestes professionnels avec leurs enjeux à partir de corpus et de vidéos analysées. Dans la séance de préparation au stage, puisqu'il y a des séances dédiées de préparation au stage, il y a eu une utilisation de TEPROF. Les étudiants ont joué en binôme avec pour consigne de réinvestir au mieux ce qu'ils avaient appris dans la première séance. Et puis, chaque binôme a pu rejouer pour essayer d'améliorer son bilan. Ensuite, il y a eu une mise en commun qui a permis de revenir sur les difficultés rencontrées et sur les points où se cristallisaient. Les étudiants ont constaté à leur grande surprise que une gestion de classe trop raide était contre-productive. Ensuite, l'usage de TEPROF en formation initiale a également été utilisé avec des groupes de stagiaires, d'une part en présentiel, d'autre part en hybride. En présentiel, après une phase de découverte individuelle, les stagiaires ont joué, là encore, en binôme. Ils ont constaté avec satisfaction qu'ils avaient acquis des réflexes professionnels, là encore, qui leur permettaient de réagir dans les situations proposées. Et là, ils ont constaté cela en étant en binôme au moment où ils se mettaient d'accord sur des choix de réponse. Cette discussion autour des choix de réponse devait forcément être argumentée. Ils devaient pouvoir faire des propositions, des objections, et cela permettait de conduire un premier recul critique. Ensuite, la mise en commun portait sur les points de désaccord avec cette phase d'échange qui contribuait à une réflexion collective sur, je l'ai dit déjà, à la fois les problèmes récurrents rencontrés, les moments où ils ont eu l'impression d'aller trop vite, de brusquer les élèves, de ne pas réussir à rebondir sur ce qu'avaient dit les élèves, mais aussi de remobiliser les apports didactiques qui avaient pu être travaillés auparavant tout au long de l'année. Et plus particulièrement, dans la séance de préparation dédiée à la dictée réflexive, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ou la lecture, etc. Troisième usage, en formation hybride, là, l'utilisation de TEPROF était prise dans un dispositif qui, comme dans les deux premiers cas, durait tout au long de l'année. Dès le début de l'année et à chaque cours avaient été travaillées des attitudes du maître, des gestes professionnels. De premiers apports de recherche en didactique avaient été donnés sur les points donnés, donc par exemple la didactique de l'orthographe, les rôles des différents types de dictées, si je reviens toujours sur l'exemple, dictée réflexive par exemple. Puis en distanciel, des synthèses théoriques ont été envoyées par mail avec des ressources, de nouveau des ressources didactiques autour de la situation sur laquelle devaient s'entraîner particulièrement les stagiaires. Une présentation de TEPROF a été faite et la consigne a été donnée de s'entraîner donc sur une situation donnée. Chaque stagiaire a disposé d'un temps au cours duquel il a pu jouer et rejouer depuis chez lui sur TEPROF. Chercher à améliorer son bilan ou faire la situation sur laquelle on travaillait en particulier et puis à côté s'entraîner à faire d'autres situations.
Et comme je vous l'ai montré, à chaque fois, l'enseignant recevait le joueur, recevait son bilan et le formateur aussi. À partir de l'ensemble des bilans réunis, le formateur préparait la séance de débriefing, si je reprends le briefing, simulation, débriefing de OG, hein, avec en distanciel, de nouveau, une connexion synchrone consacrée à la mise en commun autour de questions professionnelles récurrentes et permettant de remobiliser les savoirs didactiques et les gestes professionnels travaillés précédemment. Allez un peu vite d'abord parce que vous aurez le diaporama qui vous permettra de revoir comment ça a pu être fait, mais aussi parce que ce ne sont que des expériences faites comme ça dans un protocole de recherche de découverte exploratoire hein, finalement, et ça peut être qu'amené à évoluer, changer en fonction des formateurs qui vont s'en emparer, en fonction des nouveaux contexte de formation. Alors, finalement, il s'agit de percevoir l'activité enseignante comme un faisceau de facteurs interdépendants. Si on s'appuie sur les travaux de Leupla, qui sont quand même en arrière-plan de bon nombre des travaux qui ont pu être cités. Hein. En fait, la situation de classe, elle est dépendante de facteurs internes, qui est l'enseignant, quelle est son histoire, quel est son rapport au métier, quel est son rapport aux élèves, et puis de facteurs externes, qui sont le contexte de classe. Alors là, j'ai repris un schéma que j'avais utilisé par ailleurs dans le cadre d'une thèse qui était plutôt centrée sur la lecture des textes littéraires, mais si je l'ai mis là, c'est parce que vous allez voir que je pense que ça peut être transposable à tes profs. Donc, le contexte en fonction des élèves, en fonction des dispositifs de formation, etc. Ce que montre Leupla, c'est que, et on retrouve le chef de Guagou de tout à l'heure, que la situation classe, finalement, elle opère donc par couplage entre les facteurs internes et les facteurs externes. Avec l'idée que ce qu'on cherche à faire, c'est que les enseignants prennent conscience qu'ils peuvent apprendre des situations et ils peuvent apprendre des élèves. Finalement, on aboutit au croisement des boucles de régulation. C'est-à-dire que ce que vous avez en bas, là, les conséquences externes, les effets sur le groupe classe, elles vont avoir des conséquences sur la façon dont l'enseignant perçoit la classe dans sa tête, perçoit la façon d'être en classe, perçoit les élèves. Et ça va nécessairement avoir un impact sur les façons d'envisager la façon de faire classe plus tard. Et de la même manière, la façon dont l'enseignant perçoit la classe arrive en étant fatigué parce qu'il a préparé sa séance jusqu'à 2h du matin ou tendu parce que la veille, ça a été compliqué, etc., ça va avoir des conséquences sur les conditions externes de l'activité et sur la façon dont il va percevoir la classe. Pardon. Donc, finalement, la simulation peut permettre de s'entraîner au croisement de ces boucles de régulation en anticipant différemment les situations telles qu'elles vont parvenir, parce qu'on aura connu différents contextes et on aura élargi sa façon de percevoir la situation de classe et les élèves. Finalement, on peut dire que tes profs peuvent apparaître comme un outil nécessaire, mais pas suffisant. S'il n'y a pas d'assises théoriques pour les étudiants et les stagiaires, et s'il n'y a pas de formateurs qui reviennent toute l'année sur l'éthique professionnelle et les gestes des métiers, notamment ceux qui permettent aux élèves fragiles d'avancer, tes profs risquent de n'être qu'un jeu. La formation
repose donc sur la construction d'une culture commune, de gestes professionnels, de l'articulation des trois niveaux, éthique professionnelle, ingénierie pédagogique et micro-gestes, la décentration vers les élèves, avec l'idée d'apprendre des élèves, et des ressources didactiques qui viennent nourrir la pratique. Si tous ces points ont été travaillés tout au long de la formation, tes profs peuvent permettre à des étudiants et à des professeurs des écoles de s'entraîner avec profit, y compris en autonomie, et de s'auto-former en s'appuyant sur les échanges entre pairs et les bilans à la fin des parcours. Alors, quelles peuvent être les perspectives à envisager pour ce jeu dans le cadre de la formation et de la recherche? Les usages donnent lieu à une réflexion sur les ressources et les limites de tels dispositifs de formation, en analysant notamment les évolutions que connaissent les choix effectués par les enseignants au fil de leurs différents essais. Comment on peut avoir accès à ces cheminements qu'ils font, on pourrait regarder ce qui bouge, à quel moment. On pourrait aussi regarder les transpositions en actes, en situation réelle de classe, des apprentissages amorcés lors de ces dispositifs de formation hybride. Donc, regarder ensuite ce qui reste de ces entraînements, de ces apprentissages, quand on va regarder, observer, accompagner les enseignants dans leur classe. Et puis, on pourrait réfléchir au développement de ces usages, d'autres usages, en formation initiale, en formation continue et en formation de formateurs. Voilà. Alors, j'ai placé à la fin de la présentation les ressources qui peuvent toujours être utiles à ceux qui voudraient poursuivre un peu plus précisément la question. Et je vous remercie et je suis maintenant tout à fait disponible que nous puissions échanger, discuter, pour que j'essaie de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marthe. C'était très clair en ce qui me concerne, en tout cas. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de questions. J'invite tout le monde à poser ses questions, soit en levant la main, soit en écrivant dans le chat. Pour lever la main, vous pouvez aller soit dans « Réaction » et normalement, vous avez une petite main, vous pouvez cliquer sur « Lever la main », c'est le plus simple. Il y a Béatrice qui m'écrit à moi, je pense qu'elle a fait une petite erreur. Merci pour cette présentation si riche. Je pense que ce message t'est destiné. Je vais me permettre de démarrer avec mes questions. Donc, pour les autres, donc, soit vous pouvez lever la main donc dans réaction, ou dans certains cas, c'est dans participant, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, dans l'un ou l'autre. Et soit vous pouvez écrire vos questions dans le chat et Paul et moi relayerons. Je vais commencer, donc jamais mieux servi par ça. Donc, je vais commencer par mes questions. Ça laissera le temps à d'autres d'en avoir. Moi j'en ai trois, très différentes. La plus importante pour moi, c'est comment sont choisies ou comment ont été choisies les situations. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'histoire du chat botté, par exemple. Et aussi, par exemple, pour l'histoire du chat botté, je me suis fait la réflexion qu'il y avait une dimension culturelle, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez des enseignants qui ne connaissent pas le chat botté et qui donc ne vont pas comprendre la réaction de l'élève ou des élèves. J'ai une seconde question qui, là, à mon avis, est plus simple. C'est est-ce que les situations concernent uniquement le premier degré?
Et enfin, une troisième sur l'angle ou l'articulation entre les aspects didactiques et pédagogiques. Merci. Alors, il se trouve que dans l'équipe de conception, la personne qui a travaillé sur le chat beauté n'est pas loin du tout, et donc elle est invitée à prendre la parole si elle le souhaite, mais je ne trahirai pas. Là, voilà. Alors, le chat beauté, c'est ça, pour répondre précisément à comment a été choisie cette situation, c'était une observation dans une classe réelle. Comment on choisit les situations? On les choisit à la fois en fonction de ce qu'on sait être, enfin ce qu'on pense être les besoins des étudiants en formation. On sait qu'il y a des points de tension importants dans la formation, des choses qui sont plus délicates à aborder, qui nous semblent aussi des choses fondamentales à aborder en formation, et donc on les choisit en fonction de ça. Pour le moment, c'est seulement des situations de français et de maths, non pas parce qu'on considère que ce sont des disciplines fondamentales qui sont les seules à mériter d'être travaillées, mais c'est lié aux particularités de nos ancrages disciplinaires. Mais à l'intérieur de ces situations, c'est parce qu'on pense qu'elles sont particulièrement importantes à traiter et parce qu'on pense qu'elles permettent de soulever des questions importantes en termes d'interaction. On sait que les situations, notamment les situations de lecture, les situations d'écriture, les situations de réflexion, de dictée réflexive, sont des moments qui sont difficiles à gérer par les enseignants quand ils sont en classe, parce que précisément, elles génèrent beaucoup d'imprévus. Et donc, on se dit que la simulation est là le bon moyen pour le travailler. Tu prends la parole? Oui, bonjour à tous. Et pour je le chat beauté, l'entends, effectivement, c'était une. C'est moi qui avais travaillé sur ce scénario et qui l'avais proposé. J'avais vu un stagiaire en mai, je pense, dans une classe. Et c'était très intéressant parce qu'à la fois, il avait vraiment intégré de bons éléments de la formation. Et on voyait qu'il cherchait à faire intervenir les élèves, à se caler sur eux, mais en même temps, c'était un débutant avec ce qui est des erreurs assez typiques de débutants, ce qui fait que j'avais un ensemble de notes qui étaient intéressantes pour anticiper et gérer les croisements dont Marthe vous a parlé tout à l'heure. Donc, c'est la réponse que je peux faire pour le chat beauté. Et pour les scénarios, pour compléter ce que disait Marthe sur le choix maths français, en dehors de ce qu'étaient les compétences disciplinaires, c'est aussi que le support du jeu rend difficile d'intégrer des manipulations et d'intégrer aussi ce qui est des supports visuels nombreux. Donc, pour l'instant, on n'était pas vraiment arrivé à gérer ce qu'étaient les interactions enseignant-élève et le fait d'interrompre éventuellement par beaucoup de recours à ce qui est le tableau, c'était difficile. On a du mal à gérer ce qui est de l'espace partagé où on verrait à la fois ce sur quoi travaillent l'enseignant et les élèves et le jeu, ça fait un support qui est plus difficile, d'autant qu'on nous avait demandé, enfin, l'équipe Télips nous avait demandé d'anticiper un jeu qui puisse aussi fonctionner sur téléphone. Donc, sur un petit écran de téléphone, comment faire pour tout ça? C'est vraiment une gageure. Et, bon, les développements du jeu permettront sans doute d'introduire de nouvelles modalités et donc de nouvelles disciplines, ce qui est tout à fait souhaitable. Merci. Orange. Pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'on a répondu à ta première question, Lionel, déjà? Oui, j'ai plein d'autres questions, mais je n'ai pas non plus envie de monopoliser les questions. Donc, je vais laisser répondre les trois questions. Je vais laisser d'autres gens. Si par hasard, les personnes d'autres n'ont de questions, je reviendrai avec mes quatre
questions en plus, mais je vois que Paul va en avoir d'autres, et puis j'espère, je vois que Béatrice dans le chat, donc je pense que mes autres questions, bah, on se verra un autre moment. D'accord. Alors, pour le moment, ce sont des situations au premier degré, en classe ordinaire et en classe inclusive. Il est possible et souhaitable qu'il y ait des situations aussi dans le second degré, mais pas encore. Voilà pour la deuxième réponse. Et Solange, on convient que tu me coupes et que tu complètes autant que tu le veux. Et ensuite, tu parlais des articulations entre aspects pédagogiques et didactiques. Dans le cadre fondateur des trois niveaux là, de l'équipe PROG dont j'ai parlé plusieurs fois, très clairement, les aspects pédagogiques et didactiques, ils sont dépendants, complémentaires, imbriqués et non dissociés. Est-ce que ça répond à ta question? Ou est-ce qu'on en reparlera du coup? On en reparlera? Ça y répond en partie. Après, ça sera intéressant de développer l'imbrication, mais j'ai vu que Paul avait levé la main, j'ai vu que Béatrice avait des questions, donc j'ai aussi, je préfère. D'accord. Alors, Paul, et puis ou d'abord Béatrice, il y a une question de Béatrice écrite dans le chat. C'est comme tu veux, Paul. Vas-y, Béatrice, il n'y a pas de problème. Je vais lire la question parce qu'elle l'a écrite. Les réflexes professionnels évoqués se retrouvent-ils en acte lors de visites des collègues? Alors ça fait partie des perspectives, ça fait partie de ce qui serait vraiment, vraiment intéressant de pouvoir qu'on puisse aller le regarder, mais on n'a pas. Enfin, je ne crois pas qu'on soit en mesure de façon scientifique, étayée, de dire si on a vu que ça se traduisait lors des visites. De collègues. Solange, vous aviez pu faire des observations ou pas dans ce sens-là ou pas? Solange a... C'était trop tôt, hein, c'était trop tôt puisque là, avec le Covid, ça a été peut-être un peu difficile de gérer tout cela. Mais il me semble que cela correspond à ce que tu disais tout à l'heure, Marthe, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'intègre à ce qu'il y ait une démarche de formation de l'année. Et là, on peut voir des évolutions. Mais sinon, si le jeu est présenté d'une façon très ponctuelle et que ça ne correspond pas à ce qui est une logique, et je dirais non pas simplement d'un formateur, mais si possible d'une équipe de formateurs, dans ce cas-là, on est dans ce qui est la formation émiettée, qu'hélas, on connaît souvent. Et les stagiaires, comme toujours, prennent un petit truc de pipette, un petit truc de tartempion, et finalement, ils font leur sauce à eux et leur cuisine à eux, et c'est difficile après de s'y retrouver. Et donc, on a pu voir des évolutions au fil des bilans et au fil des façons de jouer, mais on ne peut pas, là, en l'état de nos connaissances, dire s'il y a ou pas transposition en acte lors des visites, Béatrice. Mais tu vois, tu touches évidemment à un point essentiel. Il faudrait qu'on puisse le voir. Paul? Oui, mais c'était quelque chose justement qui nous intéressait aussi pour GPS, c'était d'arriver à faire des entretiens avec ceux et celles qui avaient participé au dispositif, et puis ensuite d'aller voir aussi en classe, de les observer et qu'on fasse après un entretien un petit peu d'explicitation sur pourquoi ils ont choisi ça, quel lien ils avaient pu faire avec la situation qu'ils avaient pu travailler d'un point de vue pédagogique ou didactique. Mais c'est vrai que ça requiert on va dire une stratégie d'enquête qui n'est pas du tout facile à mettre en place. Après, ce que tu disais, Marthe, c'est vrai que dans les débriefings, dans les bilans, ne serait-ce que pour voir s'il y a des prises de conscience, peut-être garder des traces de ces bilans, quoi, pour voir justement les décalages, les enjeux en fait, de ces bilans, et de savoir si oui ou non ça a fonctionné. Parce que en t'écoutant, donc je te remercie encore pour effectivement cette présentation qui était hyper claire et puis très stimulante aussi. Et en fait, en t'écoutant,
Je me demandais quelle était la définition du développement professionnel pour ceux et celles qui ont construit ce dispositif. Quelle définition vous faisiez du développement professionnel et de la professionnalisation? Parce qu'en fait, alors peut-être que tu l'as dit, parce que j'ai dû m'absenter une ou deux fois pour voir le petit, mais du coup, on dirait que tes profs vise à ce que les stagiaires prennent conscience de l'importance des micro-gestes, qu'ils soient donc pédagogiques ou didactiques liés à l'ingénierie pédagogique, pour faire en sorte que les apprentissages se déroulent le mieux possible, qu'ils fassent vraiment toute la place aux interactions, qu'ils s'intéressent aux verbalisations des élèves, qu'ils s'intéressent à leur stratégie, à leur représentation, à leurs attentes. Donc, ils prennent conscience de ça et pas tellement, en réalité, de la maîtrise des savoirs disciplinaires, ni tellement d'une méthode pédagogique spécifique, mais vraiment de ces micro-gestes. Est-ce que c'est relié à une certaine conception que vous avez, vous, les concepteurs de ce dispositif du développement professionnel et de la professionnalisation? Je suppose que oui. Et si oui, du coup, laquelle? Attends, parce que, alors, merci pour ta question, enfin ta réaction qui me fait penser à plein de choses. Et bon, il faudra que j'y revienne en plein de fois, mais pas forcément tout maintenant. Sur la question du après, sur en fond les enseignants en classe après, c'est possible de concevoir des dispositifs de recherche où on a les enseignants en cours, les stagiaires, et après on va aller regarder en classe sans intervenir et simplement pour voir ce qu'ils font dans le cadre de visite ou dans le cadre de protocole d'enquête. Et c'est possible dans le cadre de suivis longitudinaux. Et pour ma thèse, c'est ce que j'avais fait. En suivant les gens sur plusieurs années, on voit des évolutions et c'est. Je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi voir comment les gens mobilisent. C'est sur un temps long, pas simplement sur une fois, 2 semaines après. Après, sur la question du développement professionnel et de la professionnalisation, dans toute la première partie de ce que tu as dit, je me suis dit, bah, il peut s'absenter autant qu'il veut pour aller surveiller son fils qui fait ses devoirs. Il a tout compris sur notre logique de se centrer sur les élèves et sur les interactions, sur les micro-gestes. Mais encore une fois, finalement, le développement professionnel, pour nous, il s'articule autour de ces 3 niveaux. Sur la capacité à traduire dans le quotidien une éthique professionnelle et des valeurs par des micro-gestes. Prendre conscience que ces micro-gestes, ils traduisent eux-mêmes une éthique et préparer la classe de façon à ce que cette éthique et ces micro-gestes puissent s'épanouir, laisser de la place pour que les élèves interagissent avec le maître et laisser de la place pour que le maître puisse se centrer sur eux. Mais si dans tes profs, on prend en charge une partie des aspects didactiques, c'est pour pouvoir soulager l'enseignant pour être dans une sorte de progressivité. Parce qu'on se dit que si l'enseignant, l'étudiant, il a tout à gérer à la fois, alors ça va créer une surcharge comme quand il est en classe et à ce moment-là, on ne pourra pas avancer. Mais si on conçoit que tes profs, il ne peut pas être efficace s'il se joue tout seul, simplement lui, comme ça, le jeu. C'est précisément parce qu'on considère que les savoirs didactiques, ils sont au centre aussi, les savoirs didactiques ou disciplinaires, ils sont au centre de l'activité enseignante. Et donc, il faut que les formateurs étayent la pratique des élèves, la pratique des étudiants, en les dotant de savoirs théoriques qui servent une bonne pratique. Donc, là où, par exemple, tu vois, dans Néopass, l'orientation, elle est plutôt du côté des gestes professionnels, du pilotage, de l'étayage. Et l'objet de savoir, il est relégué à une analyse qui peut se faire dans les entretiens avec les chercheurs plutôt, mais ce n'est pas tellement l'objet de l'analyse. Là, avec tes profs, c'est indissociable. Alors, Solange, tu me mets des commentaires, mais je n'arrive pas à les lire en parlant. Tu veux pas le dire, Oui, le pour dire, répondre à prendre la parole? ce que disait Paul aussi sur ce qui est les deux
choix didactique ou bien des gestes professionnels. Alors, d'une part, il faut qu'il y ait, enfin, avec la complexité de ce qu'est les embranchements que Marthe vous a montré, et encore sur un tout petit élément, il nous a semblé qu'il était impossible de jouer sur deux types de variables, la variable geste professionnel de moitié et la variable didactique de l'autre, hein, parce que ce n'était pas gérable. Alors, on arrivait à un moment où il n'y avait plus ce qui était une seule partie, en quelque sorte. Il y avait des difficultés qui n'étaient pas que techniques, puisque si l'étudiant a le choix systématiquement entre des variables didactiques et des variables du côté des gestes professionnels, il peut toujours penser que finalement les gestes professionnels ne comptent pas et que c'est seulement la didactique qui compte. Donc il ne peut toujours penser que s'il y a quelque chose qui n'a pas réussi, c'est plutôt du côté de choix didactiques qui finalement n'étaient pas les bons, alors que cela laisserait de côté ce qui est le plus finalement difficile à concevoir pour certains, c'est-à-dire le poids des gestes professionnels et des micro-gestes. Donc, il fallait tout mettre du côté des gestes professionnels et des micro-gestes, en laissant de côté ce qu'étaient les choix didactiques, qui relèvent d'autres types de situations de formation, dans ce qui nous a semblé. D'accord. Oui, et qui sont, c'est ce que je voulais dire. Ouais, merci. Et qui sont ces situations didactiques. Enfin, en fait, tes profs, ils permettent aussi de faire un pas de côté par rapport aux usages des outils en formation et des guides du maître et outils du maître. Si l'enseignant commence en pensant qu'avec un bon outil, il va pouvoir bien faire la classe, il va tout droit à l'échec et à la remise en question de ce que c'est qu'une bonne formation. Combien de fois ça nous est arrivé de partager une bonne séquence, un truc qui tourne bien? Et puis, ensuite, de se faire chahuter parce que ça n'a pas marché, notre truc. Parce que, en fait, on le sait bien, et c'est tout ce que disent, c'est ce que dit la didactique professionnelle, c'est tout ce que disent les ergonomes. Un bon outil ne fait pas une bonne pratique. Donc, là, il s'agissait de faire un pas de côté. Les beaux outils, on les a. Maintenant, comment on aide l'enseignant à faire la classe à partir de bons outils? Donc, oui. On lui donne une situation qui tient, qui potentiellement tient, qui est une situation de référence, la dictée réflexive, qui est mise en avant par tous les chercheurs en didactique de l'orthographe. Bon. Et puis, on lui dit maintenant, ça, tu l'as, on a travaillé avec toi les savoirs qui vont te permettre de faire face à la situation, parce qu'on t'a prévenu que le chat poté est sorti au cinéma et que ça ressemble au chat botté et que les élèves vont peut-être... faire le lien. Maintenant, regarde les élèves, apprends des élèves et de la situation. Ça, donc c'est vraiment une formation à l'auto-analyse sur la posture, posture et les micro-gestes à adopter, parce que ça répond aussi certainement à des observations que vous avez pu faire sur finalement que ça avait un poids assez minime pour les enseignants stagiaires par rapport justement à la maîtrise et des savoirs disciplinaires et de l'organisation d'une pédagogie générale, quoi. Vraiment une attention spécifique à... C'est-à-dire que la simulation peut permettre de s'entraîner au micro-geste et on peut par ailleurs doter les élèves, les étudiants de savoirs didactiques, etc. Ouais. Et donc, c'est inversé par rapport à ce qui peut se faire. Par exemple, du coup, on ne considère pas que... Enfin, on ne donne pas le primat à la situation didactique, on ne les amène pas à créer des séquences en considérant que là, on les amène à se centrer sur... sur une situation. C'est une méthode inductive, en fait. Oui. Mais c'est un positionnement assez spécifique et singulier. C'est aussi en ça que c'est vraiment intéressant de la formation et du développement professionnel, qui passe déjà par une réflexion sur sa posture, indépendamment du reste, d'une certaine manière. Après, forcément, ça a des répercussions sur les interactions, sur la manière dont on s'adresse aux élèves, sur sa disponibilité, etc., etc. Donc, c'est aussi intéressant de mettre vraiment juste l'accent là-dessus, qui peut se faire en complément d'autres dimensions de la formation, mais qui traduit aussi une certaine conception de ce que c'est que le métier d'enseignant, que vous défendez, que vous portez certainement aussi et que vous défendez d'une certaine manière.
Oui. On peut le voir pour TPS où on met l'accent sur praticien réflexif, un praticien qui s'engage dans le développement professionnel, dans l'enquête qui va, etc. Bon, ben, on voit que là, dans tes profs, il y a une. Parce que c'est une interrogation du séminaire, c'est voir comment dans certains dispositifs, on retrouve aussi l'accent sur une certaine définition de ce que c'est que le métier d'enseignant et ce que c'est que la professionnalisation. Mais tu vois, ça ne se fait pas en excluant. C'est-à-dire que pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure en présentant les axes du laboratoire MA, hein. C'est que ce n'était pas une façon de présenter GPS au passage. C'est que c'est forcément un outil qui est pensé en complémentarité avec d'autres. Avec GPS et avec NeoPass qu'on va utiliser pour traiter d'autres questions et avec banque de séquences didactiques qu'on va utiliser pour traiter d'autres aspects. Tout à fait. Béatrice, excuse-moi, et puis les autres, j'en finis là, on pourra poursuivre la discussion, mais je laisse la place aux autres. Béatrice, Et merci tu d'être là. voulais. Oui, alors je veux bien Merci. intervenir. Alors, moi, je trouve cette présentation extrêmement intéressante et riche. Alors, c'est peut-être aussi parce que je m'intéresse au GPS à côté. Mais outre cet aspect, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est l'importance de la subjectivité qui est accordée, Marthe, autant des élèves que de l'enseignant. Et puis surtout, un autre facteur qui me paraît essentiel à la formation, c'est la notion de temps que tu évoques, avec justement prendre le temps de revenir, etc., etc. Mais j'aurais une question sur par rapport aux situations que tu as proposées, par rapport aux branches possibles. Visiblement, l'explicitation, en fait, joue un rôle extrêmement important. Et je me suis posé la question de savoir ce que nous pouvions entendre par explicitation. Alors, ça rejoint autant le didactique que le pédagogique, il me semble. Donc, ce que nous pouvons entendre par explicitation et jusqu'où aller dans l'explicitation, puisque je pense que par moment, en tant qu'enseignant, alors là, c'est peut-être l'enseignante du secondaire qui parle, par moment, je fais exprès de ne pas expliciter auprès de mes élèves parce que je ne veux pas aller trop dans, comment dirais-je, une transparence de la situation. Donc, c'est une vraie question, cette notion d'explicitation pour moi. Merci Béatrice. Quand tu as commencé à parler d'explicitation, je ne savais pas si tu étais du côté de Vermeersch ou si tu étais sur l'enseignement explicite. Donc tu es bien du côté de l'enseignement explicite là. Oui. L'entretien d'explicitation est trop compliqué à gérer. Enfin, Oui, c'est trop. donc c'est pas, donc c'est bien Non, du non, non, c'est pas côté du de tout. l'explicitation. Mais. Bah, c'est toute la question de la clarté cognitive, comment, par où, enfin, comment elle passe. Et alors là, effectivement, c'est une question qui dépasse bien largement ce cadre et il faudrait regarder du côté de Brigodio, notamment pour les situations de référence là, et puis aussi du côté des travaux du groupe Reseda, CIRCEF d'Escole, hein, c'est sûr. Hein. Muriel, comment se fait le process de choix d'une situation? En avez-vous déjà exclu? Ouais, Pourquoi? c'était une des questions. Tu as coupé ton micro. C'était une question que je me posais tout à l'heure, en fait, quand tu expliquais comment vous choisissiez les situations par rapport au fait que vous les aviez rencontrées. Et je me disais, bon, alors j'essaie de poser la question autrement pour avoir plus d'informations. Et du coup, je me disais, par exemple, est-ce que ça vous est arrivé de voir une situation et de décider finalement de l'exclure? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous amène à choisir des situations s'il y en a une infinité finalement. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais, bah, c'est parce que c'est celle qu'on a vue. Donc, je me disais à l'inverse, est-ce qu'il y a déjà des situations où vous en avez discuté, puis vous avez décidé de ne pas la prendre? Alors, c'est sûr que des situations avec les profils des gens qui ont, des personnes qui ont conçu ces scénarios-là, je pense que chacune en a eu en répertoire, tu vois, des gens qui sont depuis 20 ans ou 25 ans dans la formation, à raison de 20 stagiaires par année, je te laisse faire le calcul sans compter les mémoires. Et, bon. Donc, ça n'est pas que les situations qu'on a vues. Et après, je laisse répondre Solange, qui, par sa discrétion légendaire, vous apprendrez à la connaître, m'écrit en privé, mais je vais laisser répondre, puisque je ne suis incapable de vous parler en lisant. Oui, non, je pensais répondre à tous et je n'ai pas fait attention que ça restait en privé. Ce que j'écrivais, c'est qu'on a exclu effectivement plein de situations.
parce que la consigne de Télip, c'était qu'il ne fallait pas plus d'un paragraphe de présentation de la situation. Donc, tout ce qui demanderait 2 pages de présentation, ben non. Et il y a la question des supports à gérer. Et là encore, s'il faut lire 2 pages de texte en pensant qu'il y aura des joueurs éventuellement sur téléphone, et ben non. Et il y a aussi tout ce qui est les situations où on n'a pas suffisamment de matériel venant de classes réelles. Donc, dans ce cas-là, non. Et il y a aussi ce qui ferait doublon par rapport à des situations déjà présentées, donc non. Ce qui fait qu'il y a effectivement énormément de situations qu'on exclut. Et puis après, il y a ce qui relève de ce qui est nos compétences. Moi, j'étais prof de français, je ne m'aventurerais pas dans des situations disciplinaires pour lesquelles je ne serais vraiment pas légitime. Après, je laisse Marthe continuer parce que je sais qu'elle aussi elle a d'autres réponses sur ce qui est les situations à exclure ou à choisir. Ah oui, si quand même, et je voulais dire aussi qu'on a toujours essayé de choisir des situations qui soient suffisamment exemplifiantes par rapport à ce qui est les besoins de formation et les pratiques des classes. Ça, c'était important. Par exemple, des situations de compréhension de texte, on en a à tous les niveaux. La dictée négociée, c'est quelque chose qui est, ou les situations de relecture orthographique, c'est des situations qui sont vraiment importantes à tous les niveaux. Donc, on a cherché à aussi avoir des situations que tous les stagiaires puissent avoir déjà vécu ou vivre dans les classes et dont ils ne se disent pas éventuellement un jour dans une autre vie, peut-être que je pourrais me trouver à faire, à proposer ce type de séance. Ce sont de vrais problèmes de classe, de quotidien pour les stagiaires. C'est ça, c'est-à-dire que on se retient aussi de mettre des situations qui pourraient être des choses qui nous sembleraient très intéressantes, mais qui sont expérimentales, qui sont marginales, que sur lesquelles seuls quelques chercheurs ont travaillé. Parce que la légitimité de la formation, elle tient aussi aux échos que les enseignants vont pouvoir y trouver dans leur pratique, dans ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs. Donc, il ne faut pas que ce soit des choses qui sont trop étonnante. Il y a une question de Béatrice, mais je pense qu'elle a fait une fausse manip, elle l'a envoyée à moi au lieu de à vous. Y a-t-il des situations pour second degré, je crois que c'est celle que j'avais posée tout à l'heure, y a-t-il des situations pour second degré, collège et lycée professionnel et général? Pas encore. Voilà. C'est la question que j'avais posée tout à l'heure. Et c'est prévu? Oui. Super. Et est-ce qu'il y a d'autres gens que Béatrice, Paul et moi qui avons des questions? Si ce n'est pas le cas, peut-être que soit moi, soit Paul ou Béatrice, enfin revenir sur mes questions de tout à l'heure, ou Paul, si tu voulais prolonger la discussion dans laquelle je t'ai un peu arrêtée. Moi, j'en aurais une, Muriel, je ne sais pas si Marc, tu pourras répondre, mais compte tenu des nouvelles maquettes, avez-vous déjà réfléchi à l'usage possible de tes profs, compte tenu justement de ces maquettes qui nous arrivent? C'est la question importante, je pense. Enfin, une question importante, vraiment. Pour une raison aussi, c'est que dans l'équipe, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de charge de groupe. Voilà. Je pense que les usages qui ont pu être faits que je vous ai présenté, c'est aussi pour ça que je vous les ai présentés, c'est que je pense qu'ils peuvent être, ils restent viables avec les maquettes de formation qui nous attendent à la rentrée, quels que soient d'ailleurs les inspé dans lesquels on va. Parce que finalement, en M1 et en M2, les étudiants auront des stages,
En M1 et en M2, les étudiants auront des cours qui les doteront de connaissances didactiques et qui en même temps feront forcément le lien avec des savoirs professionnels, disciplinaires. Donc finalement, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, le travail en binôme est possible. Et quelles que soient les modalités, l'idée de un, je présente des gestes professionnels, l'articulation des trois niveaux, éthique professionnelle, ingénierie didactique, pédagogique et micro-gestes. Je dote les enseignants de connaissances didactiques, pédagogiques. On regarde des vidéos. Puis ils s'entraînent à jouer, puis on fait un bilan et on fait un retour. Je pense que c'est transposable un peu, quel que soit le type de maquette en fait, qu'on connaîtra. Mais après, à adapter. Et nous, on a évidemment très hâte que des formateurs s'en saisissent, inventent de nouveaux usages, nous en fassent part et qu'on puisse nous-mêmes nous les approprier. Message entendu. Voilà. Si on peut revenir, du coup, j'aimais bien d'ailleurs le parallèle que faisait Paul entre la vision de ce que c'est que le métier et la professionnalisation selon les plateformes. Et je compléterais, et c'est un peu le sens de mes questions, sur la vision de ce que c'est qu'une situation qui est aussi un petit peu différente dans GPS et dans... Et donc, ce que j'aurais envie de discuter, alors, je ne sais pas si j'irai pas jusqu'à dire que c'est un impensé parce que ça n'a pas l'air d'être le cas, mais par exemple, dans GPS, on a une forme de condition pour qu'on puisse considérer qu'on accepte la situation comme étant à traiter. Il faut qu'elle soit suffisamment complexe, qu'il n'y ait pas une réponse univoque, qu'elle soit arrivée, etc. Est-ce que tu saurais lister le point commun de ce qui fait qu'une situation, donc il faut qu'elle soit exemplaire, qu'elle permette, qu'elle soit généralisable, qu'est-ce que tu mettrais comme condition pour qu'une situation... soit une situation type propre. Mais je pense que Solange a listé tout à l'heure très, très clairement les critères qui font qu'on retient les situations. Je les ai écoutées sans les noter, mais je pense que je dois pouvoir les ressortir à peu près. Donc effectivement, ce n'est pas tellement exemplaire, mais plutôt exemplifiant. Enfin, je ne sais pas, mais il faut que ce soit... transposable et il faut que ça ressemble à des choses que les étudiants et les enseignants vont pouvoir recroiser dans d'autres situations de formation, en regardant des manuels, en regardant des ressources. Voilà. Il faut que ce soit des situations qui se prêtent au jeu de la simulation, donc on va éviter des situations qui demande qu'on distribue 10 feuilles d'affilée, qu'on ait à faire des transvasements et qu'on aille planter des bulbes. Voilà, enfin, bon. Toute chose ou toute situation qui serait passionnante, justement, parce qu'elle serait pleine d'imprévus, et donc ça nous permettrait de soulever plein de questions intéressantes, mais qui ne sont pas gérables dans le cadre de la simulation sur un ordinateur ou sur un téléphone. Voilà, qu'est-ce que tu as dit d'autre tout à l'heure, Solange, que je n'ai pas dit là, qui qualifierait les situations qu'on retient Peut-être qu'il y a nécessairement des interactions maître-élève, des interactions élève-élève avec la médiation de l'enseignant, ce qui implique d'ailleurs que tes profs a un biais qu'il va conduire à peut-être surreprésenter des temps collectifs et c'est en cela qu'il faut aussi qu'il soit complété par tout l'arsenal de la formation pour ne pas donner l'illusion
serait une illusion dangereuse que les apprentissages se font nécessairement dans des temps collectifs, alors qu'on sait que les débutants ont tendance déjà à abuser de ce qui est des situations collectives qui deviennent facilement des situations un peu magistrales. Donc, ça fait partie des conditions finalement de tes profs. On ne va pas avoir d'interaction au-dessus d'un travail fait en groupe, une affiche à construire ou un travail avec papier crayon, ben non, ça ne s'y prête pas, pas dans l'état actuel. Donc, il faut aussi que ce soit des situations collectives. Donc, vous voyez, merci. Pas de, je voulais... comme une sorte de forum où finalement les utilisateurs pourraient demander à intégrer dans votre base une situation spécifique dont ils pourraient vous faire le récit ou dont ils pourraient vous faire l'analyse un petit peu à chaud et qui pourrait être ensuite intégré en fait au catalogue des situations sur lesquelles vous proposez une simulation. Est-ce qu'il y a une possibilité justement pour s'approcher aussi le plus possible des préoccupations non seulement des stagiaires mais peut-être aussi des professionnels plus aguerris et plus expérimentés d'intégrer à cette base des situations qui font un peu consensus ou qui serait voilà qui exprimerait un besoin, une demande émanant de l'extérieur. Alors il y a plusieurs niveaux de réponse, je pense. Toi, tu parles de besoin, tu parles de besoin des formés. Je me rappelle qu'il y a quelques années, justement, Solange m'avait dit, quand j'avais commencé à être formatrice, d'essayer de penser la différence entre attente et besoin. Ouais. Et du coup, là, les situations, on les place du côté de ce qu'on pense être les besoins. Là, c'est un peu à côté de ce qui est les attentes, parce que le colloque parcours de formation 2008 l'a très bien montré que les attentes et tous les travaux de RIA et de Neopass et tout, hein, enfin on montre que les attentes, elles sont aussi du côté de la gestion de la classe et tout. Mais ça, on sait que c'est traité aussi par ailleurs. Après, sur des situations qui seraient proposées par des enseignants, collègues et tout, des formateurs qui voudraient rejoindre l'équipe T-Prof pour pouvoir participer à la rédaction de scénarios et tout, sont les bienvenus pour se faire connaître avec un temps de formation qui est pensé pour aboutir à une cohérence aussi des situations et prendre connaissance du cadre théorique et éthique sous-jacent. Mais ça ne peut pas se faire dans une espèce de dynamique très rapide comme ça, de j'ai pensé à quelque chose, ce serait intéressant de soumettre, de créer une simulation et tout. Ça pourrait être génial, tu vois, conceptuellement, sauf que c'est des mois et des mois de travail, une situation. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, parce qu'Antoine Grunenberger forme les situations en scénario à partir du matériau qu'on lui fournit, fait un travail extraordinaire. Ordinaire de minutie derrière. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais c'est des mois et des mois de travail. Mmh. En tout cas, avec l'application telle qu'elle est conçue en arrière-plan. Mais sur la question du forum, tu vois, c'est intéressant parce que ça pourrait, au-delà de la question de proposer des situations et participer à des scénarios, etc., c'est vrai que ça pourrait être intéressant que sur la plateforme, forme quelque part, il puisse y avoir un retour d'usager et puis des demandes des formateurs disant on aurait besoin de telle et telle situation sur tel sujet au travail. C'est vrai. Oui, non, c'est ça. Et c'est des questions qu'on se pose justement sur la plateforme GPS, à partir de quand effectivement on peut aussi, mais c'est très difficile, mais un petit peu se passer du formateur et arriver à créer une dynamique d'auto-formation. Alors ça suppose des conditions, hein, à mon avis, du temps et de la réflexion sur les médiations qu'on va construire pour donner justement la possibilité aux uns et aux autres d'échanger et d'apprendre.
mais aussi du coup de vraiment favoriser une dynamique de co-formation en fait, mais sans tellement intégrer ou le formateur ou les pilotes du projet. Et la question du forum ou de construire un chat ou une communauté avec des votes, etc., donnerait effectivement plus de poids aux usagers en fait, hein, dans la construction du dispositif. Alors ça, c'est peut-être parce que comment dire, pour avoir utilisé tes profs en formation et pour avoir pensé un peu, entendu les réflexions des collègues qui ont conçu l'outil depuis plusieurs années, là, la question de l'autonomie de l'usager, franchement, c'est pas tellement, je crois pas, enfin tu vas me dire, hein, Solange, mais je me trompe peut-être, mais je crois pas que ce soit tellement dans la logique de l'outil de tes profs. Qui est vraiment pensé comme, tu vois, au centre d'un dispositif plus large. Donc, que ce soit un dispositif où on va emmener les stagiaires en classe pour avoir des premières interactions, et puis on va revenir, on va analyser, on va s'entraîner, que ce soit des apports didactiques et un retour. Mais pour l'avoir fait, mais après, c'est peut-être parce que je suis mauvaise formatrice, peut-être, pour l'avoir fait avec des étudiants, tu vois, ils ont beau avoir joué ensemble, discuté ensemble, négocié ensemble les réponses, justifié, argumenté après auprès du groupe et tout. Il y a un moment, parce que ça reste le temps court de la formation et que le développement, ben, il se fait dans le temps long, il y a un moment où moi, j'ai encore besoin de pouvoir les... Je sais pas. Alors, je pense que, tu vois, ils peuvent, bien sûr, moi, ils étaient ravis de jouer, de rejouer, de rejouer. Je leur avais dit qu'il fallait... Le pouvoir formateur du jeu en autonomie, je pense que ce n'est pas tellement la logique, là, c'est plutôt de l'intégrer à un dispositif. Tu es d'accord, Solange, ça t'irait aussi comme ça si tu avais encore des groupes? Oui, mais je suis complètement d'accord. Et au contraire, il fallait qu'il y ait, enfin, je me souviens dans les séances de bilan, il y avait un moment qui était vraiment nécessaire où on pouvait remettre les mots et les mots de la formation sur ce qu'ils avaient constaté, observé, il y avait un effet pour le coup de bouclage. C'était comme si on posait une clé de voûte quand on pouvait remettre les mots, dire ben, là, ça correspondait à. On avait l'impression pour certains qu'il y avait la petite lampe qui s'allumait en disant ah oui, ça y est, maintenant je peux commencer à non plus être dans une compréhension passive en me disant d'accord, je suis, mais mettre quelque chose qui soit plus actif en disant ah oui, je peux à mon tour dire que quand il y a cette situation, enfin, ces échanges-là, ça veut dire que, en mettant des mots qui sont les mots de la formation. Et là, on se disait qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait été gagné dans ce parcours de formation. C'est ça, c'est que le jeu permet de sentir des choses. Tu sens que tu bouges, mais tu n'es pas forcément en mesure de savoir où tu bouges, ni comment poser des mots dessus. Et le formateur qui a regardé les bilans avant et qui fait une analyse au niveau de l'étudiant et puis du groupe, lui, peut poser des choses qui sont des problèmes récurrents, justement. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je comprends tout à fait. On pourrait débattre encore, hein, parce que et discuter de cette question d'autonomisation et de la professionnalisation et finalement de la place du formateur qui semble, comme pour GPS, j'étais aussi et je suis toujours effectivement convaincu du rôle central du formateur, justement pour faire prendre conscience et en même temps, on comprend qu'il y a des écueils parce que la réflexivité c'est un peu commandée et du coup est un peu doxique, c'est-à-dire qu'on attend les stagiaires et les étudiants veulent aussi répondre aux commandes d'une certaine manière ou à l'exigence de formation qui est celle d'avoir une éthique et donc d'avoir des éléments pour pouvoir travailler cette éthique. Donc, on pourra continuer. Il y a Aurélia qui posait deux questions. Je suis désolé Aurélia parce que je ne les avais pas vues tout de suite, mais qui demandait qui avait accès à tes profs pour le moment et quel place prend tes profs dans votre maquette. Et je vais jouer les rabat-joie parce qu'il est 16h07 et qu'on devrait avoir fini depuis 7 minutes. Donc, on va faire une réponse rapide et c'est la dernière question. Merci. Marc. Donc, je réponds en 10 secondes. Qui a accès à tes profs, potentiellement tout le monde, à condition de s'inscrire? Pour le moment, c'est beaucoup des formateurs de l'Académie de Versailles, INSPE de l'Académie de Versailles, parce qu'il y a une convention, mais potentiellement, ça peut s'ouvrir. Donc, il faut contacter l'équipe pour voir. Et quelle place prend tes profs dans votre nouvelle maquette? Si vous parlez de la nouvelle maquette de
Enfin, je ne sais pas de quelle maquette vous parlez. Si vous parlez de l'INSPE, de l'Académie de Versailles, tout dépendra de la façon dont les collègues s'en saisissent. Il n'y a pas de place accordée à tes profs de façon formelle dans la maquette, mais bien des espaces pensés pour laisser de la place. Et de la même manière dans INSPE. Désolée Aurélia, du coup, si vous voulez, je peux vous répondre de façon plus développée par ailleurs. Voilà, ça va Muriel? Merci beaucoup. Je suis d'autant plus désolée que les questions de Paul étaient passionnantes et vos échanges globalement avec les réponses aussi, bien sûr, et de Solange. Merci Solange, du coup, d'être venue dans cette participation tout à fait active. Merci Solange. Et merci beaucoup Marthe également. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup à tous pour vos questions. Et c'était... J'ai oublié de l'excuser, elle a bien souci cet après-midi. Elle en est très désolée, mais elle est très contente que ce soit enregistré. D'ailleurs, je vais arrêter l'enregistrement. Oui, moi aussi. Et Jean-François aussi s'excuse. Il a eu un empêchement, il a dû du coup se partir. Mais voilà. D'accord. Et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Ouais, merci. Bon et oui, Béatrice, on va avoir accès au diaporama. Marc, tu vas me l'envoyer, puis je vais gérer avec l'enregistrement de mettre tout ça sur le site d'Emma. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.